C'est une musique qui va un petit peu chercher dans beaucoup de choses. On donne un terme qui englobe tout ça, qui est de l'indie pop, même si ça veut pas dire grand chose. À la base, on vient vraiment de la pop. Et puis on a été pioché dans pas mal d'autres choses. C'est vrai qu'on est assez aventureux. On prend le temps de poser les ambiances, des trucs aériens, éthérés. Enfin, des gros morceaux de 5 minutes. Mais les harmonies restent pop et je crois que c'est ça qui fait que le projet... Et un peu entre le cul entre deux chaises, mais c'est pas plus mal. C'est assez particulier parce qu'en fait on n'est pas dans le festival directement, on est dans le off. Donc on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Ce qui est assez spécial, c'est que Bourges est un festival à moitié de découverte. Nous on est à la fois pour tout un public découverte, parce qu'on propose quand même quelque chose de relativement pointu. Et à la fois on a quand même énormément tourné. Donc on se demande un peu ce soir qui est-ce qu'il y aura finalement. Est-ce que ce seront des passants avec des barbes à papa et des poussettes, ou bien des fans de la première heure. En fait, je pense que sur scène, on est vraiment nous-mêmes. Je pense qu'on triche pas. Il y a vraiment quelque chose où on vient, on met nos couilles sur la table et. Et je pense que ça se ressent. Allez, je veux dire, il n'y a pas spécialement de jeu. Déjà sur scène, on n'a pas une formation classique où il y a un chanteur devant qui prend un peu toute la place et puis le backing band qui regarde un peu ses pompes. C'est plutôt, on est vraiment en arc de cercle et on se regarde beaucoup. On travaille énormément ensemble. Et donc voilà, c'est ce qu'on aime énormément dans le live. C'est vraiment juste être nous-mêmes. Et je pense qu'on envoie quand même une grosse patate. Et on espère que les gens... Les gens le kiffent, quoi. Voilà, en fait, on est plus dans l'énergie que dans la précision. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut envisager notre live. Il ne faut pas s'attendre à avoir un truc super propre et tout, parce qu'on aime bien que ce soit quelque chose de vivant, même avec les imperfections.